Coucou tout le monde, juste une vidéo super rapide pour faire un petit récapitulatif de ce que j'ai fait dernièrement. Là, il est disons 4h du matin, je viens de rentrer d'une énième soirée d'anniversaire. Oui, je me souviendrai de cet anniversaire parce que j'ai eu quatre parties. Donc c'était la quatrième partie entre filles. Non, c'était juste génial. Je ne fais pas d'outfit of the day, mais franchement, là, attendez, je vais me mettre debout, comme ça vous allez voir un tout petit peu. Juste ça. Allez. Yes. Oh. On voit pas grand-chose, mais en fait, j'avais décidé d'être très fille. J'étais en rose. Les chaussures aussi étaient roses. Bordel. Rose et noir. Enfin, fuchsia. Anyway, c'était pas la raison de ma vidéo. Donc, du coup, les filles m'ont dit, toutes mes copines m'ont dit, surtout tu nous épargnes tes bonnets, tes attachés de foulard, on veut tes cheveux. Donc, je voulais vous montrer ce que j'ai fait. J'ai fait ça. Sais pas si ça se voit bien, c'est chiant. Dommage. Bon, dans le dos, c'est le classique Marina, hein. C'est le truc le plus facile à faire. Manate à l'envers. Voilà. Quand un truc vous va bien et que vous arrivez à le faire, franchement, vous ne vous fatiguez pas, vous refaites la même chose encore et encore. Donc, j'ai refait ça. J'ai pris des photos, mais en fait, dans les photos, on voit pas comment j'ai entrecroisé, parce qu'en fait, par exemple, cette mèche-ci, elle part de ce coin-là pour aller jusque-là, et ainsi de suite. En plus, la dernière qui est ici, je l'ai, enfin bref, on dirait des, on appelle ça tout fiataba chez moi, mais on croirait, c'est dans le style caca cabri, voilà. Comme si j'avais attaché, j'avais mis du fil au bout pour avoir de nœuds 1-1, mais ce sont juste mes cheveux que j'ai repliés et j'ai mis des bobby pins. Et franchement, nickel, finalement, je me suis dit, waouh, j'avais l'intention d'aller me faire poser un crochet braid chez Kamanda, Kaman 29, je crois, sur YouTube. Je lâche pas l'affaire, mais finalement, j'aime bien mes cheveux afro. Ouais, c'est vrai. Quand le moment sera venu, j'irai faire ma coiffure. Bref, c'était juste pour vous faire un récapitulatif de ce que j'ai acheté dernièrement. Donc, pour celles qui sont déjà, qui vont souvent sur mon blog, je vous invite à y aller. Vous avez vu, pardon, que dernièrement, j'ai reçu ma commande Airfinity et j'ai fait une commande pour une cure de 6 mois. Donc, à raison de 2 comprimés par jour pendant 6 mois, il y a 6 boîtes. Ça a fait en tout 126 € frais d'envoi inclus, en sachant que, ouais, 128 €, 168 $. D'accord? 122 €, 168 $. Donc, j'ai commencé hier, j'ai commencé le 4. J'ai pas pris de photo de départ. C'est la raison pour laquelle, en fait, j'ai encore mes cheveux afro comme ça. Là, je vais essayer de me faire une vidéo éventuellement demain si j'ai la force, où on va faire un lin check ensemble. Comme ça, au fur et à mesure, j'évaluerai. Parce que, vu que je vis seule, j'ai pas toujours la possibilité, j'ai pas des gens autour de moi qui peuvent me prendre en photo facilement. D'accord? Enfin, facilement. Quand mes cheveux sont lâchés. Voilà. J'ai fait un tour du côté de Rich Fashion. Et pareil, pour celles qui vont sur mon blog, vous avez déjà l'adresse. Vous savez ce qu'ils y vendent. Et je suis allée pour m'acheter ça. Le Hello Hydration de Herbal Essence. L'après-shampoing, juste après-shampoing. Donc j'en ai pris trois parce que il y avait que les petits formats. Moi j'étais partie pour les gros formats avec les 200 millilitres et c'est à 2,90 €. Bon, je dis because why not. On en a pris trois. Ok, parce que j'ai vraiment l'intention de continuer. En ce moment je suis accro à la, comment on appelle ça? À la lotion suractivée de Miss Senti, qui, ma foi, réussit assez bien à mes cheveux. Le seul truc que je peux lui reprocher, c'est que, je sais pas, j'ai. Enfin, au bout de. À la fin de la semaine, j'ai l'impression que mes cheveux sont. C'est pas une impression, mes cheveux sont collants, c'est un peu pâteux. Mais sinon, quand je le mets, non seulement c'est frais, j'ai pas de pellicule,
ça ralentit en tout cas les pellicules. Pour ce qui est de la pousse capillaire, je ne peux pas vous témoigner de quoi que ce soit. Peut-être que dans la durée, il y aura quelque chose, mais pour l'instant, tout ce que je peux dire, c'est que ça sent bon. Enfin, moi, j'aime bien le côté mentholé, que c'est frais, que ça ne me donne pas de pellicule. Par contre, je n'aime pas le côté, voilà, lourdingue. Vos cheveux sont collants à la fin de la semaine, quoi. Au bout de 4-5 jours, les cheveux collent, donc je sais pas. Et le fait aussi que c'est pas pratique à utiliser. Donc moi, vous allez m'excuser quelques instants. Voilà. Quand je dis qu'il n'est pas pratique, il faut qu'on se comprenne. La bouteille, elle est comme ça. Et ça s'ouvre comme ça. Donc si je fais ça et que je mets sur ma tête, je déverse toute la bouteille, ça c'est sûr. Ce que j'ai fait, j'ai pris ça là. Oui, vous lisez bien. Sauce de piment Sriracha, qui s'est vidée. Que j'ai vidée, on va dire ça. J'ai lavé. Et j'ai récupéré le flacon et donc j'ai mis Miss Senti à l'intérieur et c'est comme ça que je l'applique sur mon cuir chevelu et je masse et je dois, enfin après je fais tout ce que j'ai à faire dans mes cheveux mais je l'applique que sur mon cuir chevelu cette huile. Voilà. Et j'aime, enfin, pour l'instant j'aime bien à part ce petit désagrément de cheveux collants donc je sais pas. Je sais pas, je vais voir si sur le long terme ça me fera du bien. Qu'est-ce que j'ai encore acheté dernièrement dont je vous ai pas parlé? J'ai acheté ça. Annie Pillow Cover, c'est une taie d'oreiller en satin parce que j'ai perdu mon bonnet, enfin j'ai perdu, je l'ai garé dans ma maison qui est toujours super bien rangée, n'est-ce pas, dans mon appartement. Donc voilà, 2 euros dans le magasin Lily Rose qui se trouve en face de la boucherie. Vous savez, pour celles qui ont l'habitude d'aller à Château Rouge, oui, encore Château Rouge, c'est le magasin. Où en face, enfin à l'entrée du magasin, ils mettent leur étal de mèche. Ok, donc dedans ils vendent ça. J'en ai pris qu'un, même si ça ne coûtait que 2 euros, parce qu'ils avaient qu'une seule couleur et c'était le noir. Et je n'aime pas trop le noir. D'accord, pour celles qui savent faire de la couture, pour acheter votre propre tissu en lin en soie, pardon, et le coudre. Mais moi, voilà, 2 euros, je préfère mettre 2 euros là-dedans, c'est beaucoup plus pratique. Donc voilà, c'était juste une vidéo vite fait avant d'aller dormir parce que là je suis lessivée. On voit même plus mon maquillage. Oh, j'allais vous montrer. Je me suis fard à paupériser. Oh, c'était trop beau. J'ai réussi à me. Non, enfin bref. Je suis là, je vous raconte ma vie. Et je vous saoule en même temps. C'est pas grave. Voilà, ça faisait longtemps que j'étais. Ça faisait longtemps, non, ça fait une semaine que je suis pas venue vous voir. Donc. Voilà, je passais les filles pour vous faire un petit coucou, vous dire où j'en suis. Je commence mon Airfinity et je vais donc commencer. Je vais passer par, comment on appelle ça? Un lunch check ou un. Comment dire? Un récapitulatif, souvent, pour que vous puissiez avoir une idée. Ensemble, on puisse avoir une idée de ce que ça donne, si vraiment ça vaut le coup. Parce que je me suis dit, un mois, c'est pas la peine. Et aussi pour les frais d'envoi, parce que. Plus on commande, moins les frais d'envoi sont, enfin, moins les frais d'envoi sont importants, à mon sens. Ça sert à rien de payer 48 $ de frais d'envoi pour 2 boîtes. C'est ce que je me suis dit. Donc j'ai pris 6. Voilà tout. C'était censé être une vidéo courte. Donc je vous fais d'énormes, énormes bisous. Et ben, la suite de ma soirée, en fait, sur mon blog. Je vous mettrai les photos, je vous montrerai les filles qui m'ont super fait plaisir. Voilà. Bisous. Bye bye.